Espoir Ngoudia, de la poésie aux belles histoires. Un pasteur ouvrit son église. Les débuts n'ont pas été du tout faciles. Il s'est battu bec et ongles pour arriver à avoir ne fût-ce que quelques fidèles. Mais ça n'a pas été du tout facile pour lui. Et alors, il n'a pas baissé les bras. Il continuait à se battre. Mais ça ne marchait pas, il était obligé d'aller au-delà. Oui, il s'est armé des histoires mystico-diaboliques. Et c'est vrai, cela lui a permis d'y faire de miracles, de délivrer, de bien prêcher et d'attirer les fidèles qui venaient de plus en plus et remplissaient. Son église. Mais avec le diable, il y a toujours des conditions. Et oui, autant il gagnait, autant il devait sacrifier pour pouvoir maintenir la stature des choses, gagner de l'argent, gagner les âmes, continuer à faire succès, à bien faire des choses, à bien prêcher, à attirer. Et les moments étaient arrivés après 6 mois de succès. La condition était simple. Coucher avec une fille vierge tous les 3 mois et récupérer son sang ou les linges ensanglantés qu'il devait amener à son père féticheur. Et oui, on ne savait pas par tous, on pouvait juste constater que la fille qui arrivait à faire ça avec cet homme, elle maigrissait, elle tombait malade, et après, elle mourait. Et le pasteur, le dit pasteur, s'assurait de l'enterrement de cette fille. Il prend en charge au nom de l'église l'enterrement. Il lui-même était présent et juste après, les succès étaient remarquables. Il les faisait avec toute fille qui se présentait auprès de lui. Pour les attirer, il leur donnait de l'argent. Prends aussi pour ton transport 100 dollars. 250. Et après, il appelle même nuitamment. Ça va, tu dors, comment tu es habillé? Un peu comme les jeunes le font. Jusqu'à ce qu'il va voir la fille. Il la déflore et elle meurt. Beaucoup de filles, une dizaine, sont passées. Et aujourd'hui, c'est de l'histoire. Elles sont mortes déjà. Un jour, coup du hasard, il est vraiment dans les 3 mois près. Il doit se trouver une vierge dont il doit se prendre le sang pour amener à son père féticheur. Il a cherché pendant les 2 mois précédents, il n'a pas eu cette occasion. Et alors, à 2 semaines seulement, c'est une jeune sœur qui vient le voir. Pasteur, j'ai un problème avec mon petit ami, il me complique trop, c'est vrai qu'il a dit qu'il va m'épouser, mais il veut toujours coucher avec moi. J'ai refusé, mais il me force à ça. Qu'est-ce que je dois faire, homme des dieux?
au lieu de conseiller la sœur, de l'encourager à résister, à persévérer, à ne pas céder à ce que son petit ami lui demandait, le pasteur lui demande: est-ce que tu as déjà couché avec un homme? Dis-moi un peu, est-ce qu'un homme t'a déjà vraiment bien léché? Oh, pasteur, qu'est-ce que vous dites? Ouais, je te jure, moi je peux te lécher jusqu'à ce que tu perdes connaissance. Ben ça troublait la fille. Elle n'en revenait pas que ça vienne de ces messieurs. Qui pour se séparer d'elle lui donne l'argent, la fille refuse. Elle s'enfuit. Mais le jour d'après, il a demandé qu'on la rappelle auprès de lui. Il forçait. Il l'appelait nuitamment. Il l'appelait pendant la journée, puisqu'il ne lui restait que quelques jours avant l'ultimatum. Il dit à la fille: écoute, offre-moi juste 2 minutes avec toi. Je vais t'envoyer en Afrique du Sud. Je vais te donner tout l'argent que tu veux. Je te paierai une maison, je te paierai une voiture et tu seras très bien. Tu peux me faire confiance. Regarde cette valise d'argent. La fille ne voulait pas. Elle résistait, c'est vrai. Parfois, elle était tentée au-delà de ses forces. C'était pas facile. Un jour, puisqu'il en avait marre et qu'il était vraiment à un jour de son ultimatum, le dit pasteur appelait la fille dans son bureau. Et oui, c'était dans son bureau qu'il faisait toutes ses opérations. Sa femme le sait, ne le savait pas. Personne ne sait nous le dire. Il insiste, la fille refuse, il dit: pas question. Si tu veux qu'on fasse tout ça, viens chez nous alors. Tellement emmerdé, dans la colère de se voir tout perdre après avoir laissé la fille, l'homme se déshabille devant la fille. Ah! Très étonnant pour la fille, qui ne savait quoi faire devant son pasteur nu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Elle ne savait pas. C'est comme un vent diabolique qui l'a emportée jusqu'à ce qu'elle s'est perdue. Tout ce qu'elle se souvient, c'est ces 10 pasteurs qui l'a déshabillée. Ce 10 pasteurs qui l'a allongé sur son bureau. Et sans pitié, il s'est déchargé sur elle jusqu'à ce qu'il a fini ce dont il avait besoin. Oui, après, il a donné de l'argent comme d'habitude à la fille et dit à personne: sinon tu auras malédiction. Moi, je suis pasteur. Même pas tes parents. La pauvre est partie. Qui devait-elle dire? Elle avait peur de cette malédiction et n'a dit à personne. Elle a commencé comme toutes ses précédentes à maigrir. Amaigrissement, amaigrissement, vomissement, vomissement et même du sang à un moment. Sortie par la voie vaginale, on ne comprenait pas ce qui arrivait. Ses parents ont tout tenté. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins même ne découvraient même pas c'était quoi la maladie qui traumatisait, qui troublait. Cette jeune petite fleur qui n'avait même pas encore joui, n'effusqué des quelques instants de bonheur de sa vie qui était encore à la porte. Elle a osé dire à une de ses amies, mais elle ne l'a pas cru. Toi là, le pasteur t'a fait sa menteuse. Tu mens, c'est toi qui as fait ça. Tu as monté des histoires. Malheureusement pour elle, elle n'a même pas eu le courage de raconter ça à ses parents. Et le mois passé, la pauvre n'a pas résisté. La mort était à ses trousses. Et elle est décédée. Aujourd'hui, elle se trouve
au cimetière où on espère qu'elle repose en paix. Espoir Ngoudia, de la poésie aux belles histoires. Si elle ne s'ouvre pas, gentiment, poussez de toutes vos forces, elle s'ouvrira. Looking over the skyline of the city. Loud, quiet nights in the midst of crime. Si elle ne s'ouvre pas gentiment, poussez de toutes vos forces et elle s'ouvrira. J'aime de proverbes revoltants. Et oui, il y a des portes dans cette vie d'hommes, mesdames et messieurs. Vous essayez, elles ne s'ouvrent pas. Vous poussez gentiment, ça ne marche pas. Ah oui, il faut redoubler d'efforts. Vous avez peut-être tenté de réussir. La porte de la réussite s'est fermée. Vous étiez gentil avec elle. Vous avez tenté de trouver du travail, ça n'a pas marché. La porte était fermée. Vous cherchez peut-être un enfant, un mari. Ça ne marche pas, la porte est fermée. Et oui, c'est vous qui êtes gentil avec cette porte. Et ce soir, le proverbe vous dit, si dans votre gentillesse elle ne s'est pas ouverte, allez-y, poussez. Ça veut dire, levez-vous, battez-vous et vérifiez si toute l'énergie a été dépensée et que ça n'a pas marché. Là, c'est autre chose. Mais quand vous vous battez, quand vous déployez tous vos efforts, de toutes vos forces, la porte s'ouvrira et vous serez heureux. Gotham City. Yeah, yeah. Dead in the middle of stormy weather. Si elle ne s'ouvre pas, gentiment, poussez de toutes vos forces. C'était le proverbe de ce soir, mesdames et messieurs, de la poésie aux belles histoires. Espoir Ngoudia Kacharman, patient mon sens. Avec l'amour, t'as pris la poudre des scampettes. T'as désiré le coup de foudre, t'as dit bonjour à la tempête, poupée. T'étais cette fille au pays des merveilles. Tu lui as ouvert ton cœur plutôt que de t'ouvrir les veines, je sais. T'as vu en lui ce que seul toi pouvais comprendre. T'étais petite, il était grand, il était tendre, je sais. Et puis pourquoi se justifier, l'amour ne s'explique pas. Ni même le sang que l'on retrouvera chez toi. Par amour, par amour, par amour, c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, par amour, par amour, rien n'est impossible. Par amour, par amour, par amour, c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, oh oh. Poupée, t'as débarqué seule sur un quai de gare. Tu venais d'ici, de là-bas et t'allais nulle part, poupée. T'avais de grands yeux bleus mais cernés de noir. C'était peut-être la raison de ton départ, qui sait. Lui il a vu que t'étais frêle, que t'étais vraiment dans la merde. Il t'a dit t'es trop belle, viens je t'emmène, poupée. À cet instant c'est devenu ton mentor. Il...